Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous abordons la dernière partie. C'est la suite aujourd'hui et la fin de cette encyclique sur le communisme. Pie XI traite ici dans la quatrième partie de l'encyclique qui s'intitule « Les moyens de défense de la civilisation chrétienne ». Il analysait d'abord les remèdes et les moyens que nous avons déjà vus la dernière fois et il invite à un renouveau de la vie chrétienne, un renouveau qu'il traite en plusieurs points. Le remède fondamental, le détachement des biens de la terre, la charité chrétienne, le devoir strict de justice, la justice sociale. Et c'est ce que nous avions vu jusqu'à maintenant. Maintenant, le sixième point concerne l'étude et la diffusion de la doctrine sociale. Alors, pour donner à l'action sociale une plus grande efficacité, il est indispensable d'étudier et de faire connaître toujours davantage les problèmes sociaux, et ce à la lumière de la doctrine de l'Église et sous l'égide de l'autorité établie par Dieu dans l'Église. Et il se pose cette question, pourquoi la conduite de certains catholiques a laissé à désirer dans le domaine économique et social? Pourquoi? Eh bien parce que souvent, ces catholiques ne connaissaient pas assez et n'avaient pas assez médité les enseignements des papes sur ce sujet. Donc manque de formation des catholiques eux-mêmes. D'où ce conseil indispensable de développer dans toutes les classes de la société une formation sociale plus intense et qui soit en rapport avec les degrés divers de la culture intellectuelle. Il est indispensable de ne rien épargner pour la diffusion de ces enseignements de l'Église, surtout parmi la classe ouvrière. Il est indispensable d'éclairer de cette manière les esprits par la sur-lumière de la doctrine catholique, et puis d'incliner les volontés à la suivre, parce qu'il ne s'agit pas seulement de nourrir l'intelligence, il faut que la volonté suive ces principes. Donc incliner les volontés à suivre cette doctrine et à l'appliquer comme la norme de la vie morale par l'accomplissement consciencieux des multiples devoirs sociaux. Et c'est de cette manière que, eh bien, on combattra cette incohérence, cette discontinuité qu'on a trouvée dans la vie chrétienne, qui fait que certains hommes, apparemment fidèles à bien remplir leurs devoirs religieux, mènent avec cela, par un déplorable dédoublement de la conscience, dans le domaine du travail, de l'industrie ou de la profession, dans leur commerce ou dans leur emploi, une vie trop peu conforme aux exigences de la justice et de la charité chrétienne. Donc il ne s'agit pas seulement de bien remplir ses devoirs religieux, c'est une chose qui est importante, mais il faut qu'aussi la vie soit conforme
dans le domaine professionnel, dans le domaine du travail industriel, que cette vie soit conforme aux exigences de la justice et de la charité chrétienne. Parce que sinon, on aura des catholiques qui pratiquent, qui prient, qui vont à la messe, mais qui, dans le domaine du travail, eh bien, ne pratiquent ni la justice ni la charité, d'où le scandale pour les faibles. Un scandale qui sera d'autant plus grand qu'il vient de catholiques, dont on attend autre chose que ce genre de négligence. Donc, scandale pour les faibles, et puis le facile prétexte, évidemment, aux communistes, par exemple, de jeter sur l'Église elle-même le discrédit. Voyez comment se comportent ces catholiques. C'est très facile à dire, évidemment. Facile prétexte. Alors, la presse aussi peut largement contribuer à cette œuvre de rénovation. Donc, en s'efforçant, sous des formes variées et attrayantes, de faire toujours mieux connaître la doctrine sociale de l'Église, en donnant des informations exactes, suffisamment abondantes sur l'activité des ennemis, des indications sur les moyens de combat qui se sont révélés plus efficaces dans divers pays, en proposant des suggestions utiles, en mettant en garde aussi contre les ruses, contre les tromperies avec lesquelles les communistes s'appliquent et sont déjà parvenus à gagner à leur cause des hommes qui pourtant sont de bonne foi, ce que Lénine appelait les idiots utiles. Voilà. Donc, étude et diffusion de la doctrine sociale. Le septième point, se prémunir contre ce que Pionce vient de dire, les ruses et les tromperies du communisme. Le communisme athée s'est montré, au début, tel qu'il était dans sa perversion, dans toute sa perversité, mais bien vite, il s'est aperçu que, de cette façon-là, il éloignait de lui les peuples. Donc, il va changer de tactique, et il va s'efforcer d'attirer les foules par toutes sortes de tromperies, en dissimulant ses propres desseins sous des idées en elles-mêmes bonnes et attrayantes. Lénine disait en 1905, en décembre 1905, « Notre propagande implique nécessairement la propagande de l'athéisme. » Marx également, dans le Capital, « Les persécutions sont le meilleur moyen » pour renforcer des convictions qu'on n'aime pas. Le seul service qu'on peut rendre encore à Dieu dans notre temps, c'est de proclamer l'athéisme article de foi obligatoire. D'où des variations dans la législation a-religieuse du communisme et des persécutions, toujours sous motifs sociaux et politiques, alterné avec des périodes de tolérance. Ainsi, 1935-1936, 1941-1945, et des reprises de violence de 1937 à 1939. On a un petit peu le même état d'esprit dans la laïcité en France, qui a connu des périodes de vraiment d'attaque frontale contre l'Église, avec des périodes ensuite de tolérance, de relâchement, etc. Mais la laïcité a toujours été une machine de guerre contre l'Église. Donc l'encyclique est écrite en 1937, donc, alors que les partis communistes d'Europe occidentale changent de tactique. Le Comintern, devant la montée des fascismes, Mussolini, Hitler, chancelier le 30 janvier 1933, ou la journée des Ligues à Paris en février 1934. Ce Comintern, devant la montée des fascismes, de ce qu'appellerait aujourd'hui les populismes, préconise une politique de la main tendue. Ce mot de main tendue, c'est un mot
qui appartient, qui vient de Maurice Thorez, à Radio Paris, le 17 avril 1936. Il utilise ce mot pour la première fois. Donc, le communisme préconise, le Comintern préconise une politique de la main tendue avec collaboration pour soutenir les revendications d'ordre social ou matériel. Pie XI en avait averti les épiscopats. Monseigneur Chollet recevait du cardinal Magloire le 4 mars 1936 une lettre l'exhortant à la vigilance. Je cite « Tout particulièrement devant leur tentative de fonder des cellules d'infection communiste dans les rangs même des catholiques. » Alors, voyant le commun désir de paix, les chefs du communiste vont feindre d'être les plus zélés fauteurs et propagateurs du mouvement pour la paix mondiale. Mais en même temps, ils excitent à une lutte des classes qui fait couler des fleuves de sang. Et sentant le manque d'une garantie intérieure de paix, ils recourent à des armements illimités. Ainsi encore, sous divers noms, qui ne font pas même allusion au communisme, ils fondent des associations franchement catholiques et religieuses. Donc sous des noms qui ne font pas allusion au communisme. Il y a en ce moment, sur les panneaux électoraux, il y a des affiches du Parti communiste français « Défendons l'humain ». Vous voyez ? Ainsi, sans rien abandonner de leurs principes qui sont pervers, ils invitent les catholiques à collaborer avec eux sur le terrain humanitaire, sur le terrain charitable, comme on dit, en proposant parfois même des choses qui sont entièrement conformes à l'esprit chrétien et à la doctrine de l'Église. Et Pie XI savait déjà que l'Église était pénétrée. Le 11 mai 1936, il déclare, c'est une allocution qu'il donne aux pèlerins hongrois, « Le communisme partout tente de pénétrer et hélas a pénétré en tant de lieux, soit par la violence, soit par l'intrigue, soit par la tromperie, allant jusqu'à revêtir les apparences des meilleures intentions et beaucoup par malheur se laissent tromper. » Le lendemain de cette allocution, devant les journalistes, il dévoile la propagande communiste. C'est dans un discours au Congrès international des journalistes. Donc il dévoile cette propagande communiste qui, je cite, « prend des attitudes moins violentes et en apparence moins accessibles, moins impies, pardon, afin de pénétrer dans des milieux moins accessibles et d'obtenir des connivences incroyables, ou du moins des silences et des tolérances d'un avantage inestimable pour la cause du mal, avec de funestes conséquences pour la cause du bien. » Et rien qu'en France, à cette époque, des journaux, des revues catholiques, comme par exemple Terre Nouvelle, ou L'Aube, ou encore la revue Esprit d'Emmanuel Mounier, des mouvements catholiques tels que la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, ou Jeune République, fondée par Marc Sangnier, le fondateur du Sillon. Ces revues, ces mouvements sont pro-marxistes, voire compagnons de route. Terre Nouvelle, par exemple, est ainsi mise à l'index le 8 juillet 1937 et va continuer de paraître jusqu'en 1940. Ailleurs, il pousse l'hypocrisie jusqu'à faire croire que le communisme, dans les pays de plus grande foi et de civilisation plus avancée, revêtira un aspect plus doux, n'empêchera pas le culte religieux, respectera la liberté de conscience. Ainsi, par exemple, lors de la Grande Guerre patriotique
contre l'envahisseur allemand du temps de Hitler, Staline va mobiliser le sentiment orthodoxe de 1941 à 1945, et il va user aussi de cette Église orthodoxe contre le catholicisme dans les pays occupés d'Europe et d'Orient. Et puis, il y en a même qui, s'en rapportant à certaines modifications introduites depuis peu dans la législation soviétique, vont en conclure que le communisme est prêt d'abandonner son programme de lutte contre Dieu. Et il y en a qui le croient. En URSS, par exemple, l'article 124 et 125, les articles 124 et 125 de la Constitution de 1936 garantissent les libertés politiques et religieuses de parole, de presse, de meeting, de manifestation, de réunion, de culte, de conscience. Mais il n'y a pas de liberté de propagande religieuse. Elle fut d'ailleurs supprimée en 1929, parce que la religion n'est qu'une superstructure, selon eux, produite par la classe bourgeoise, et donc appelée à disparaître dans une société sans classe. Et en URSS, des persécutions vont s'y employer, par exemple la liquidation du clergé réactionnaire, de 1921 à 1923, la déportation des croyants en même temps que des paysans propriétaires de 1929 à 1934, et de nouveau avant la guerre de 1937 à 1939. Un recensement soviétique officiel de 1937 indiquait cependant que 50% de la population restait croyante, et le taux était probablement plus élevé. Donc on ne supprime pas la foi comme on supprime des partis politiques, ou un corps d'officier, ou toute autre couche sociale ou professionnelle. Alors, puis on se demande aux évêques de ne pas laisser les fidèles être trompés. D'où une autre tactique des communistes qui va être le noyautage des associations religieuses. Le Parti communiste, selon l'article 226, est en effet le noyau dirigeant de toutes les organisations des travailleurs. Ainsi, n'y aura-t-il pas d'église sans contrôle du parti. En URSS, le métropolite Serge fut par exemple autorisé à reconstituer le synode patriarcal en juillet 1927, et il déclarera le 16 février 1930 à Izvestia qu'il n'y avait jamais eu de persécution religieuse en URSS. C'est quand même un peu fort. En Chine, une hiérarchie schismatique sera créée de toutes pièces par Mao après 1948. En Pologne, ce fut le mouvement Pax, des prêtres pour la paix, un mouvement qui a été très influent en France dans les années 50-60. En Occident, à cette époque, des agents donc furent infiltrés dans les maisons de formation et dans les séminaires. Le communisme est donc intrinsèquement pervers. Et ce paragraphe est le plus célèbre en raison du fameux « intrinsèquement pervers ». Alors, il importe de noter que c'est une conclusion, c'est un jugement qui repose sur l'ensemble de l'encyclique, surtout les paragraphes 1 à 24, et ce n'est pas un énoncé a priori. Donc, en conséquence, toute collaboration est impossible à qui veut agir pour la civilisation et l'ordre social et chrétien. Donc la collaboration avec le communisme en tant que tel, qu'on appellera une collaboration formelle, c'est-à-dire faite
en tout état de cause, au service, pour le but et l'expansion du communisme, elle est condamnée. Et cela va de soi. Mais il y a une autre collaboration, qu'on va appeler la collaboration matérielle. La collaboration avec le communisme pour des actions ponctuelles qui regardent la vie sociale ou économique du pays, comme par exemple pour réclamer des salaires plus justes, des conditions de travail moins dangereuses, par exemple. Ça, c'est une collaboration matérielle. Par exemple, je vais aller défiler avec la CGT pour réclamer des salaires plus justes. Alors, réclamer un salaire plus juste, c'est pas mauvais. Donc, il y a une collaboration. Je défile avec la CGT. Là, il y a une collaboration qui est matérielle. Je suis pas communiste, mais je vais défiler avec les communistes pour réclamer des salaires plus justes. Eh bien, cette collaboration matérielle, elle est également condamnée. On n'a pas le droit, en raison des principes de l'action communiste et de l'habileté des militants communistes à détourner les bonnes volontés pour servir leur fin, qui est de détruire toute politique, tout ordre politique fondé sur l'Église. Donc, ni collaboration formelle, ça se comprend, ni collaboration matérielle, ça se comprend également. Parce qu'on se rend complice, finalement, du communisme. Donc, on ne peut admettre sur aucun terrain, et Pionze est ferme là-dessus, on ne peut admettre sur aucun terrain la collaboration avec le communisme de la part de quiconque veut sauver la civilisation chrétienne. Et ça, c'est un passage capital. Parce qu'il montre que l'objet propre du communisme, c'est de détruire toute civilisation, qui est d'ailleurs la civilisation chrétienne. La civilisation de l'humanité est une civilisation chrétienne, disait Saint Pie X dans Il Fermo Proposito, que nous avons déjà commenté. Vous voyez, on ne peut pas parler d'autres civilisations. La civilisation de l'humanité est une civilisation chrétienne. Et le pape Pie XII a synthétisé en 1944, dans un message au monde entier sur la civilisation chrétienne, il a synthétisé les caractères de la cité chrétienne. Et il conclut, devant les cardinaux français, « La collaboration, notre action est pénétrée de spiritualité, le matérialisme informe la vôtre, c'est-à-dire celle des communistes français. » Est-il possible dès lors de collaborer? La réponse est évidemment non. Le décret du Saint-Office, également du 2 avril 1959, approuvé par Jean XXIII, répond ainsi à cette question. Est-il possible de collaborer? Question qu'avait posée Pie XII. Et c'est Jean XXIII répond. On a demandé si dans le choix des représentants du peuple, il était permis aux catholiques de donner leur voix aux partis ou aux candidats qui, bien qu'ils ne professent pas des principes en opposition avec la doctrine catholique, ou s'attribuent même la qualification de chrétiens, s'unissent toutefois de fait aux communistes et les favorisent par leur action. Les cardinaux ont répondu par la négative. On ne peut pas donner ses voix aux partis qui, même s'ils ne professent pas de principes contraires à la doctrine catholique, et même s'ils s'attribuent le nom de chrétiens, des chrétiens socialistes par exemple, on ne peut pas donner ses voix à ce genre de partis. Donc si quelques-uns induits en erreur, ou enduits avec de l'erreur, coopéraient à la victoire du communisme dans leur pays, ils tomberaient les premiers victimes de leur égarement. Et plus les régions où le communisme réussit à pénétrer se distinguent par l'antiquité et la grandeur de la civilisation chrétienne, plus la haine des sans-dieux
se montrera dévastatrice. Et en dénonçant cette collaboration catholique-communiste, Pie XI a en vue les grèves de 1936 où les syndiqués de la CFTC, la Confédération fédérale des travailleurs chrétiens, et les membres de la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, très enthousiastes mais manipulables, ont milité main dans la main avec les syndicats d'idéologie socialiste. Les accords Matignon de la nuit du 7 au 8 juin donnaient aux ouvriers les conventions collectives, la semaine des 40 heures, les congés payés, l'augmentation des salaires. La CFTC s'affirmait dans le monde ouvrier. Alors, bien que spontané chez certains, ce mouvement gréviste a servi les intérêts des partis révolutionnaires, au point qu'une révolution a été même possible pour un temps. Quant à la haine des sans-dieux, dont parle Pie XI, il y a deux raisons à cette haine. La dialectique, toujours, en opposition interne au cœur de toute réalité, et qui est le moteur de l'histoire, qu'il faut toujours attiser par la haine, et l'expérience des soviétiques que la foi chrétienne résiste le mieux à la persécution. Et les millions de martyrs ont été là pour le prouver, et sont là pour le prouver. Et puis enfin, huitième point, renouveau de la vie chrétienne, donc comme parmi les remèdes, parmi les moyens de défense de la civilisation chrétienne, la prière et la pénitence. Si le Seigneur ne garde la cité, c'est en vain que veille son gardien. On trouve cela dans le psaume 126. C'est pour ça que, comme dernier et puissant remède, Pie XI recommande de promouvoir, d'intensifier le plus efficacement possible dans les diocèses le double esprit de prière et de pénitence chrétienne. Alors, ici, il met comme dernier et puissant remède. On pourrait dire, pourquoi ne dit-il pas comme premier et puissant remède ? Bon, évidemment, c'est un remède qui est premier, mais qui ne dispense pas de l'action politique. Ça, c'est important parce que trop de catholiques se sont dispensés de l'action politique en se disant « il suffit de prier et de faire pénitence et tout ira mieux ». Non, c'est faux. Quand les apôtres demandèrent au Sauveur pourquoi ils n'avaient pu, eux, délivrer de l'esprit malin un démoniaque, le Seigneur répondit « de pareils démons ne se chassent que par le jeûne et la prière ». Donc le mal qui ravage aujourd'hui l'humanité ne pourra de même être vaincu que par une sainte et universelle croisade de prière et de pénitence. Qui ne dispense pas de l'action ? Pie XI recommande alors tout spécialement aux ordres contemplatifs de redoubler leurs supplications, leurs sacrifices pour obtenir du ciel, en faveur de l'Église, un vigoureux appui dans les luttes présentes grâce à la puissante intercession de la Vierge Immaculée, elle qui écrasa jadis la tête de l'antique serpent et reste toujours depuis lors la sûre défense et l'invincible secours des chrétiens. Et on en arrive à la cinquième et dernière partie de l'encyclique, où là, ce sont plutôt des consignes particulières aux différents états de vie. Et il commence par les prêtres, comme état de vie, le sacerdoce, qui sont ministres de l'œuvre de l'Église. Et Jean Madiran, qui a fait un commentaire de cette encyclique, avait écrit avec justesse « Divine Redemptoris est la charte pratique du chrétien dans le monde moderne. Elle est la charte pratique de l'action catholique dans une certaine situation contemporaine,
la nôtre précisément, celle qui est créée partout par l'action universelle du communisme. Donc Pie XI a tracé jusqu'à maintenant les grandes lignes pour l'œuvre mondiale du salut. Il a indiqué brièvement l'application des remèdes. Et là, il s'adresse principalement aux prêtres, comme premier point, parce que par vocation spéciale, ils ont reçu une mission, celle de garder allumé dans le monde le flambeau de la foi, celle d'infuser aux fidèles cette surnaturelle confiance avec l'Église, au nom du Christ, a combattu victorieusement tant d'autres combats. La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Et donc, Pie XI rappelle aux prêtres l'exhortation de Léon XIII d'aller à l'ouvrier. Non pas d'aller travailler dans les usines, comme les prêtres ouvriers, qui ont tous perdu leur âme, mais d'aller à l'ouvrier. Allez à l'ouvrier, dit-il, spécialement à l'ouvrier pauvre, et en général, allez aux pauvres. Parce que ce sont les plus exposés au piège des fauteurs de troubles, souvent peut-être parce qu'ils n'ont pas de formation intellectuelle très élevée, donc ils se laissent prendre. Ils exploitent, les communistes exploitent leurs conditions misérables pour allumer en eux l'envie contre les riches, les exciter à s'emparer de vive force de ce qui leur semble injustement refusé par la fortune. Et si le prêtre ne va pas vers les ouvriers pour les mettre en garde contre les préjugés et les fausses doctrines, ou pour les en détromper, ils deviendront une proie facile pour les apôtres du communisme. Alors, un grand effort avait déjà été fait dans ce sens, surtout depuis les encycliques Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, sur la condition des ouvriers. Pie XI salue donc les efforts des évêques et des prêtres qui inventent, qui essaient, toujours avec les précautions voulues, de nouvelles méthodes d'apostolat mieux adaptées aux exigences modernes. Il estime cependant que c'est encore trop peu pour les besoins de leur présente. Voilà ce qu'il dit, quand la patrie est en danger, tout ce qui n'est pas strictement indispensable ou directement ordonné à la pressante nécessité de la défense commune passe au second plan. Ainsi, dans le cas présent, toute autre œuvre, si belle, si bonne qu'elle soit, doit céder la place devant la nécessité vitale de sauver les âmes, les bases mêmes de la foi et de la civilisation chrétienne. Et là, il demande aux prêtres, dans les paroisses, sans préjudice bien entendu de ce que réclame le soin ordinaire des fidèles, de réserver la plus grande et la meilleure partie de leur force et de leur activité pour regagner les masses ouvrières au Christ et à l'Église, pour faire pénétrer l'esprit chrétien dans les milieux qui y sont les plus étrangers. Et ils trouveront alors dans les masses populaires une correspondance, une abondance de fruits inattendus qui les récompensera du pénible labeur des premiers défrichements. Mais le plus efficace moyen d'apostolat auprès des pauvres et des humbles, c'est l'exemple du prêtre, l'exemple des vertus sacerdotales, c'est-à-dire un exemple lumineux de vie humble, pauvre, désintéressée, c'est-à-dire une copie fidèle du divin maître, de la vie du divin maître. Pie XI affirme qu'un prêtre qui est vraiment évangéliquement pauvre et désintéressé fait des miracles de bien au milieu du peuple. Tel un saint Vincent de Paul, un curé d'Ars, un don Cotolengo, un don Bosco et tant d'autres. Au contraire, un prêtre qui est avare,
qui est toujours intéressé, même s'il ne se jette pas comme Judas dans l'abîme de la trahison, sera tout au moins un vain airain sonore, expression de saint Paul, et une cymbale retentissante, une inutile cymbale retentissante, expression de symbole de saint Paul également. Trop souvent même, il sera un obstacle, ou bien plutôt qu'un instrument de grâce parmi le peuple. Donc si demain, vous me voyez rouler en Mercedes, dernier cri, je vous autorise à ne plus mettre un centime à la quête. Donc si le prêtre a par office l'administration des biens temporels, qu'il se souvienne que non seulement il doit scrupuleusement observer les prescriptions de la charité et de la justice, mais encore se montrer d'une façon toute spéciale un vrai père des pauvres. Donc voilà. Donc premièrement, les consignes qu'il donne d'abord aux prêtres. Ensuite, il donne des consignes à l'Action catholique, aux laïcs, là. Après les prêtres, Pion s'adresse aux laïcs, à ceux qui particulièrement militent dans les rangs de l'Action catholique, qu'il appelait une aide particulièrement providentielle. Elle pouvait être, elle était certainement providentielle, mais elle a été très souvent détournée de sa fin, comme on l'a vu il y a un instant dans la JOC, notamment la jeunesse ouvrière chrétienne. L'Action catholique, qu'est-ce que c'est? C'est un apostolat social, puisque cette action catholique, dans le principe, elle vise à étendre le règne de Jésus-Christ. Elle a souvent été dévoyée, mais son principe, c'était celui-là. Donc, étendre le règne de Jésus-Christ, non seulement chez les individus, mais encore dans les familles et dans la société. C'est pour cela qu'elle doit d'abord, avec un soin spécial, former ses membres, ce qui a très souvent n'a pas été le cas, il n'y a pas eu de formation, et les préparer au saint combat du Seigneur. Et ce travail de urgente formation, c'est évidemment un préliminaire à l'action, un préliminaire obligé de l'action directe. Sinon, eh bien on deviendra un activiste, avec toutes les conséquences qui en découleront, les manques de prudence, etc., dans l'action. Et c'est pour cela que ce travail de formation, eh bien, à ce travail de formation serviront les cercles d'études, les semaines sociales, les cours méthodiques de conférences et d'autres initiatives semblables. Initiatives qui seront aptes à faire connaître la solution chrétienne des problèmes sociaux. Et donc des militants de l'Action catholique ainsi préparés, bien préparés, exercés, seront les premiers apôtres de leurs compagnons de travail. Et ils deviendront là bien de précieux auxiliaires du prêtre pour porter la lumière de la vérité, pour soulager les détresses matérielles et spirituelles dans d'innombrables zones que des préjugés invétérés contre le clergé ou une déplorable apathie religieuse ont rendu réfractaires à l'action des ministres de Dieu. Donc le rôle de ces laïcs, c'est de réconcilier un petit peu ces ouvriers avec le clergé. On coopérera ainsi, dit Pie XI, sous la conduite de prêtres particulièrement expérimentés, formés, à cette assistance religieuse à la classe ouvrière. Il s'agit d'une assistance religieuse à la classe ouvrière. Il ne s'agit pas de devenir ouvrier parmi les ouvriers. Et cette assistance sera le moyen le plus apte pour préserver cette classe ouvrière des embûches communistes. C'est aussi le rôle de l'Action catholique de répandre largement par la parole et par la plume, tels qu'ils émanent des documents pontificaux, les principes fondamentaux qui doivent servir à la construction d'un ordre social chrétien. Voilà donc le travail des laïcs, deuxième point. Alors ensuite, il analyse
diverses organisations, d'abord les organisations auxiliaires de l'Action catholique. Il exhorte ces organisations auxiliaires de l'Action catholique à se consacrer à cette même mission qui aujourd'hui prime sur toutes les autres par son importance vitale, à cause donc du développement du communisme. Et puis ensuite, il s'adresse aussi aux organisations professionnelles, c'est-à-dire ces organisations professionnelles d'ouvriers, d'agriculteurs, d'ingénieurs, de médecins, de patrons, d'étudiants, et toutes sortes d'autres organisations similaires d'hommes, de femmes, vivant dans les mêmes conditions culturelles et que la nature même a groupées. Ce sont donc ces groupes, ces organisations qui sont destinées à introduire dans la société l'ordre tel qu'il est présenté dans l'encyclique Quadragesimo Anno, et à faire reconnaître ainsi la royauté du Christ dans les divers domaines de la culture et du travail. Alors, si en raison des conditions nouvelles de la vie économique et sociale, l'État s'est cru en devoir d'intervenir au point d'assister et de réglementer par des dispositions législatives particulières de semblables institutions, sans préjudice du respect dû à la liberté et aux initiatives privées, même alors, l'Action catholique n'a pas le droit de rester étrangère à la réalité. Elle doit donc, avec sagesse, apporter sa contribution de la pensée en étudiant les problèmes nouveaux, toujours à la lumière de la doctrine catholique, et sa contribution d'activité par la participation loyale, la participation dévouée de ses membres aux formes et aux institutions nouvelles. Et là, ils y apporteront l'esprit chrétien qui est toujours principe d'ordre, de mutuelle et de fraternelle collaboration. En excluant, encore une fois, évidemment, toute collaboration avec les mouvements pro-communistes ou pro-communistes. Pie XI l'a rappelé tout à l'heure, pas de collaboration formelle et aucune collaboration matérielle également. Ensuite, Pie XI lance un appel aux ouvriers chrétiens. Il s'est adressé aux prêtres, aux laïcs, aux organisations diverses. Il s'adresse aux ouvriers. Leur mission, très noble, très ardue, leur mission, c'est de ramener à l'Église et à Dieu ces multitudes immenses de leurs frères de travail, de les ramener à Dieu par leurs exemples, par leurs paroles. Leur mission, c'est de faire comprendre à leurs frères égarés dans le communisme que l'Église est une tendre mère pour tous ceux qui travaillent, qui souffrent, de leur faire comprendre que l'Église n'a jamais manqué et ne manquera jamais à son devoir de mère, qui est de défendre ses fils. Et enfin, si cette mission leur demande parfois des renoncements, eh bien qu'ils se souviennent que le Sauveur en a donné l'exemple. Il a donné l'exemple et du travail et du sacrifice. Alors pour cela, Pie XI invite à une concorde entre les catholiques. Parce qu'évidemment, dans l'histoire, on a très souvent vu les catholiques divisés entre eux. Il en appelle donc à la concorde contre les dissensions, futiles dans leur cause, mais toujours tragiques dans leurs conséquences. Surtout quand elles mettent aux prises les fils d'une même Église. Les fauteurs de désordre sont toujours là, pour profiter des discordes, pour les envenimer, pour finir par jeter les catholiques eux-mêmes les uns contre les autres.
Et cette concorde entre catholiques peut être la première réaction au communisme, puisqu'il est par son principe fondamental la haine incarnée. Et ceux qui travaillent à augmenter les dissensions entre catholiques, eh bien, se changent devant Dieu, se chargent devant Dieu et devant l'Église d'une terrible responsabilité. Alors ici, quand il parle de concorde entre catholiques, c'est sur les points les plus importants. Étant entendu que ces catholiques s'entendent sur les principes immuables. Après, il lance un appel à tous ceux qui croient en Dieu. Dans ce combat, qu'il appelle un combat engagé contre la puissance des ténèbres, contre l'idée même de la divinité, Pie XI affirme « garder l'espérance » que la lutte sera vaillamment soutenue, non seulement par ceux qui se glorifient de porter le nom du Christ, mais aussi par tous les hommes qui croient en Dieu et qui l'adorent, c'est-à-dire qu'ils ne font pas forcément partie de l'Église. Et alors, il renouvelle un appel qu'il avait lancé 5 ans auparavant, dans son encyclique « Caritate Christi », à ce que tous les croyants s'emploient avec loyauté et courage à préserver le genre humain du péril grave qui le menace. Le communisme, évidemment. Car la foi en Dieu est le fondement inébranlable de tout ordre social, de toute responsabilité sur Terre. Aussi, tous ceux qui ne veulent pas de l'anarchie et du terrorisme doivent travailler énergiquement à empêcher la réalisation du plan ouvertement proclamé par les ennemis de la religion. Et puis enfin, il s'adresse à l'État. Quels sont les devoirs de l'État chrétien? D'abord, aider l'Église. L'Église assume une tâche positive, qui est à la fois d'ordre doctrinal et pratique. Elle l'assume, cette tâche, en vertu de la mission que Jésus-Christ lui a confiée, c'est-à-dire construire la société chrétienne, et à notre époque, combattre, briser les effets du communisme. Et à cet effet, Pie XI adresse un appel à toutes les classes de la société, à cette entreprise spirituelle de l'Église. L'État chrétien doit concourir positivement en aidant l'Église dans cette tâche par les moyens qui lui sont propres et qui visent principalement le bien des âmes. Il demande aux États, qui en feront ce qu'ils voudront, évidemment, mais il rappelle le devoir des chefs d'État. Les États doivent mettre tout en œuvre pour empêcher qu'une propagande athée fasse des ravages sur leur territoire. En effet, il ne saurait y avoir d'autorité sur la terre si l'autorité de la majesté divine est méconnue et le serment ne tiendra pas s'il n'est pas prêté au nom du Dieu vivant. Et il répète ce qu'il a déjà dit dans Caritate Christi, comment peut tenir un contrat quelconque. Et quelle valeur peut avoir un traité là où manque toute garantie de conscience? Et comment peut-on parler de garantie de conscience là où a disparu toute foi en Dieu, toute crainte de Dieu? Cette base enlevée, toute foi morale s'écroule avec elle. Et il n'y a plus aucun remède qui puisse empêcher de se produire peu à peu, mais inévitablement la ruine des peuples, des familles, de l'État et de la civilisation même. Donc, premier devoir de l'État, aider l'Église dans cette mission. Deuxième tâche de l'État, pourvoir au bien commun. L'État ne doit rien négliger pour créer des conditions matérielles de vie
sans lesquels une société ordonnée ne peut subsister, et pour fournir du travail spécialement aux pères de famille et à la jeunesse. À cette fin, qu'on amène les classes possédantes à prendre sur elles les charges sans lesquelles ni la société humaine ne peut être sauvée, ni ces classes elles-mêmes ne sauraient trouver le salut. Mais les mesures prises dans ce sens par l'État doivent être telles qu'elles atteignent vraiment ceux qui, de fait, détiennent entre leurs mains les plus gros capitaux et les augmentent sans cesse au grand détriment d'autrui. C'est-à-dire la banque que vous connaissez. Troisième point, prudence et sage administration. Donc c'est parmi les devoirs de l'État chrétien, aider l'Église, pourvoir au bien commun, prudence et sage administration. L'État lui-même, s'il songe à sa responsabilité devant Dieu et devant la société, il doit servir d'exemple à tous les autres et servir d'exemple par une administration prudente et modérée. Et c'est pour cela que Pie XI affirme que la très grave crise mondiale exige que ceux qui disposent de fonds énormes, il ne nomme pas qui, mais il y en a qui disposent de fonds énormes, qu'ils aient toujours uniquement devant les yeux le bien commun et qu'ils s'appliquent à le promouvoir le plus possible. Il est normal qu'un pape le rappelle, même si ça s'est souvent tombé dans l'oreille d'un sourd. De même que les fonctionnaires et tous les employés de l'État, par obligation de conscience, remplissent leurs devoirs avec fidélité, avec désintéressement, et puis dans les rapports des peuples entre eux, que l'on s'applique vraiment à supprimer les entraves artificielles de la vie économique, effet d'un sentiment de défiance et de haine. Quatrième devoir de l'État, enfin, laisser la liberté à l'Église. Quelle liberté ? La liberté d'accomplir sa mission divine et toute spirituelle. Pourquoi ? Pour contribuer, par ces moyens-là, à sauver les peuples de la terrible tourmente du moment présent. Parce que le mal à combattre est avant tout, si on le regarde, dans sa source première, le mal à combattre, il est un mal de nature spirituelle. Et c'est de cette source empoisonnée que sortent, par une logique infernale, toutes les monstruosités du communisme, dit Pie XI. Or, parmi les forces morales et spirituelles, l'Église catholique occupe sans conteste une place de choix. Et c'est pourquoi le bien même de l'humanité exige que l'on ne mette pas d'obstacle à l'action de l'Église. Sinon, en agissant autrement, en prétendant quand même arriver au but avec des moyens purement économiques et politiques, c'est être victime d'une dangereuse erreur. Et les mots sont assez, j'allais dire, faibles. Quand on exclut la religion de l'école, de l'éducation, de la vie publique, quand on expose à la dérision les représentants de l'Église et ses rites sacrés, est-ce qu'on ne favorise pas ce matérialisme dont le communisme est le fruit ? Donc ni la force, même la mieux organisée, ni les idéaux terrestres, fussent-ils les plus grands et les plus nobles, donc qui restent au niveau temporel, ne peuvent maîtriser un mouvement qui plonge précisément ses racines dans l'estime excessive des biens de ce monde. Donc se rappeler que l'Église, tout en visant au bonheur éternel de l'homme, travaille inséparablement à son bonheur temporel. Ensuite, il adresse un appel paternel aux égarés.
Il adresse une parole à ceux qui sont atteints, déjà, ou presque, du mal communiste. Et il les exhorte à écouter la voix de Dieu, à abandonner ce qu'il appelle la voie glissante qui les entraîne tous à une immense catastrophe et à reconnaître que l'unique Seigneur est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il termine cette partie, cette cinquième partie, par Saint Joseph. Ça tombe bien aujourd'hui, en la fête de Saint Joseph. L'encyclique, d'ailleurs, Divini Redemptoris, est placée sous le patronage de Saint Joseph, tout comme Pie XII, en 1955, va instaurer la fête de Saint Joseph artisan, le 1er mai, contre le paganisme communiste. Pie XI met donc la grande action de l'Église contre le communisme, athée mondial, sous l'égide du puissant protecteur de l'Église, Saint Joseph. Parce que Saint Joseph appartient à la classe ouvrière, il a fait la rude expérience de la pauvreté, il reçut en garde l'enfant divin quand Hérode lança contre lui ses sicaires, il a mené une vie de fidélité absolue dans l'accomplissement du devoir quotidien, il a laissé un exemple là à tous ceux qui doivent gagner leur pain par le travail manuel. Et puis il a mérité d'être appelé le juste, Joseph le juste, parce qu'il est le modèle vivant de cette justice chrétienne qui doit régner dans la vie sociale. Enfin, Pie XI donne une conclusion de cette encyclique. D'un côté, nous avons la foi qui aperçoit les cieux nouveaux et la terre nouvelle, et de l'autre, les promesses des faux prophètes qui s'éteignent sur cette terre dans le sang et dans les larmes. Et face à cela, resplendit la grande prophétie apocalyptique du Sauveur du monde. Voici que je fais toute chose nouvelle. Et Pie XI envoie donc sa bénédiction apostolique. Le père Rouleau, parlant du communisme, parle d'une maladie mentale contagieuse et aucun raisonnement ne peut en venir à bout. Il parle de fanatisme sauvage où on ne voit plus la réalité qu'à travers un prisme déformant que volontairement on a mis sur ses yeux. Et comme ce prisme est en même temps actif, alors les actes comportent cette vision déformante toujours plus. Et un jour, les yeux se dessillent, il est trop tard. Ces illusions, écrit-il, ne concernent-elles que le passé ? Le danger de l'idéologie est-il définitivement écarté ? Il serait bien illusoire de le croire. La tentation reste permanente car elle tient à la mentalité des hommes du XXe siècle. Et c'est pour nous mettre en garde contre une forme nouvelle de cette dégradation intellectuelle et spirituelle qu'est l'idéologie que le pape écrivait en 1937. Donc ces propos peuvent nous prémunir contre l'illusion toujours renaissante des fausses rédemptions ou des faux messages de salut, notamment du mondialisme, qui est une forme nouvelle de communisme. Ceux qui ignorent les leçons du passé sont condamnés à les revivre. Voilà. Alors, la prochaine fois, nous verrons l'encyclique Humanum Genus de Léon XIII sur les sectes maçonniques, notamment. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.